Bonjour, mes chers amis. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie, dans la ville de Florence, où a régné autrefois la famille des Médicis. Et aujourd'hui, on va parler de Michel-Ange. Michel-Ange, de son vrai nom, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, né le 6 mars 1475 à Caprese, République de Florence, est mort le 18 février 1564 à Rome. État pontifical est un sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste florentin de la haute Renaissance. Ses œuvres les plus connues sont universellement considérées comme des chefs-d'œuvre de la Renaissance. David 1504, lequel a longtemps orné la façade du Palazzo Vecchio de Florence, avant d'être transféré dans l'Académie des beaux-arts de la ville, de la villa. La Pietà, en 1499, exposée dans une chapelle latérale de la basilique Saint-Pierre de Rome. Moïse, 1515, du tombeau de Jules d'Eucles, dans la basilique Saint-Pierre aux Liens de Rome. Le plafond de la chapelle Sixtine, peint entre 1508 et 1512. Le jugement dernier, influencé par la fresque de Meloso da Forlì, Ascensione di Cristo, exécuté entre 1536 et 1541 sur le mur de l'autel de cette chapelle. Architecte, il conçoit le dôme de Saint-Pierre de Rome. Son œuvre a une influence considérable sur ses contemporains, si bien que sa manière de peindre et de sculpter est abondamment reprise par les représentants de ce qu'on appellera le maniérisme, qui prospère dans la Renaissance tardive. Preuve de l'admiration que lui vouent les intellectuels et d'autres artistes de son temps. Plusieurs biographies ont publié de son vivant, la première est incluse dans le Vité, recueil des biographies des artistes de la Renaissance dû à Giorgio Vasari en 1550. La seconde émane de son élève Asciano Candivi en 1553. Une courte biographie par Paolo Giovio. Michaelis Angeli Vita paraît en 1527. Merci d'écouter cette biographie, les amis, et à bientôt. Adios.